Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know. Your eyes.
Surfette est une société qui existe depuis 1869. On est une des plus vieilles sociétés des Alpes-Maritimes. Et au début, c'était une société qui ne s'occupait que de la confection de drapeaux, la broderie, tous les métiers à l'ancienne. Et au fur et à mesure, on est venu au feu d'artifice déjà depuis pas mal d'années, une cinquantaine d'années. Et on tire beaucoup de feux dans la région. Et on a même tiré les plus gros feux d'artifice en Afrique, le Sacre de Bokassa, le Centenaire de Brazzaville, l'indépendance du Congo, Côte d'Ivoire et Gabon. Et là, notre rayon d'action sur la Côte d'Azur va de Monaco à Saint-Tropez. Donc pour les mairies, aussi bien pour les mairies que pour les particuliers et les agences d'événementiel. Voilà, vous avez pu voir comment on installe un feu d'artifice sur une barge. Et pour que ce feu d'artifice soit réussi, il faut d'abord que tout parte, que toutes les bombes, que toutes les chandelles, que toutes les comètes partent. Et il faut aussi que ça corresponde exactement à ce que j'ai voulu, moi, à tous les effets que j'ai voulu qu'il y ait dans le ciel. C'est-à-dire que ce feu d'artifice, il a été conçu par nous, il a été monté par nous. Et donc je l'ai dans la tête, et quand je vois que tout ce que j'ai se réalise dans le ciel et qu'il n'y a pas eu de problème, parce que en artifice et en feu d'artifice, le risque zéro n'existe pas, il peut toujours y avoir un problème sur la barge, une bombe qui éclate en bas. Donc touchons du bois, si tout se passe bien, c'est un feu d'artifice qui est réussi. Et si les conditions météo sont avec nous aussi, c'est-à-dire pas trop de vent, une petite brise c'est l'idéal parce que ça enlève la fumée, et pas de pluie, et là c'est parfait pour un feu d'artifice réussi.